Hello, good afternoon. Sorry. Good afternoon, everyone. Hello, hello, hello. Good afternoon, troisième six, troisième set. Hello. Who's there today? Who is attending the class today? Hello, hello, hello. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Hello, hello. Good afternoon, everyone. Hey, good afternoon, Lali. How are you? How are you, young girl? Always on time. Good. Hello, hello. Hello, everyone. Oh, four of you today. Yes. Hooray, hooray, that is a big group. I'm fine, thank you very much. I'm fine, thank you. Good afternoon, Miriam. How are you? How are you, Miriam, today? Hello, Miley, how are you? Hello, hello. Hello. On dirait qu'il y a un petit bug. Vous devriez être trois. Et ça ne marque que deux. Oh, il y en a plein qui arrivent. Hello, Noah. Good afternoon. How are you? I'm fine. Thank you very much, girls. I'm fine. Thank you. I'm waiting for my little group of followers. You are my followers. You follow me. Okay. So today there was not a lot of things to do. There was just one exercise on your workbook. And the exercise one was number four. Number three. Was it number three? Number two, page, number two, page 83. Number two, page 83. Hello, Irish girl. Hello. What's the Irish? Is it failter? Failter for welcome in Irish? Is it correct? Failter? F-A- I L T E. Is that correct? Fatal like this. I was in Dublin last year in August, I went to Ireland last year in August, and I did a little tour of Ireland with my husband, and we stopped in Dublin for a couple of days. And in the restaurants, it was often written that word, failter. I think that means welcome, doesn't it? What do you think, Emily? You're the Irish one, I'm not. Am I right? Oh, see? So I know one word in Irish. Good. Who's what? You are the Irish one. I am not. I should be counting on you. Who's just arrived? Juliette. Hello, Juliette. Good afternoon, Juliette. I think. Oh, yes. I'm pretty sure that it's welcome in Irish. Failter. Okay, so guys, I was saying that today you had number two, page 83 to do. And again, it was about things that you would do if you were blah, blah. Oh, come on. I'm sorry. Of course, there's an accent that I don't have. Wait for me to see you again. Just wait.
Okay. So it was about the things that you would do or you wouldn't do if you were on a deserted island, on a desert island, sorry. If you were a castaway. Or an accent, oh, sorry. An accent, yes, there's an accent somewhere. It's on the A, I think. There's an accent on the A. But then the pronunciation, I thought you were talking about the pronunciation. But then, sorry guys, I'm just having a private little chit chat with Emily. And I thought there was a mispronunciation, which could be, of course, obvious because I'm not Irish. Okay, so let's go with your castaway. So imagine you are a castaway. So if you were a castaway on a desert island, what would you first? What would you miss the most? What have you written? What would you miss the most if you were a castaway on a desert island? Okay, so I'm waiting for your answers if you have any. So, what have you written? So, let me remind you. Donc, je vous rappelle juste, avec le if, on a le prétérit dans la subordonnée, et donc dans la principale, on a forcément un conditionnel. Conditionnel, je vous rappelle en anglais, c'est super simple. C'est would plus base verbale. Voilà. Quelquefois, on peut avoir could, mais could plus base verbale, mais à ce moment-là, on serait toujours au conditionnel, mais le conditionnel de can, bien sûr. Allez. Tac-tac-tac. OK. So, Myriam, if you were a castaway, you would miss your family. OK. Lali, if you were a castaway, you would miss your cat, your family, and your friends. Good. What about the others? Noah, Miley, would you like to write something on the chat? What would you miss? My friend, my family. You would miss McDonald's. Come on. I hope that is a joke. I'm not even sure you like McDonald's. Yes, of course. I bet you would. Okay. So if I were on a desert island, I would probably miss, well, not probably, I would miss my family as well. Yes, I would probably miss my family. You haven't said that you would miss your English teacher. That's not really nice. You're not kind. No. Nobody wrote, I would miss my English teachers and my family. No, of course not. Okay. Question number two. What is the first thing you'd do? What is the first thing you would do if you were a castaway? So imagine the boat has just sunk, and just sunk, sorry, and or the plane has just crashed, and so you are alive, you are a survivor, and you are the only one. Everybody's dead around you. Everybody, everywhere, corpses, lying corpses, with the okay, and. Okay, no, you're just you. What would you do? First thing you would do. Tell me. What's the option? What would you do first if you were a castaway? So what have you written?
So if I were a castaway. Alors, je vous rappelle aussi, j'en mets une petite couche pendant que vous m'écrivez tout ça, là. Quand c'est vraiment très, très, très improbable, on utilise « were » à toutes les personnes. D'accord ? If I were, if you were, if we were, if he, she, it were. Il n'y a plus de « was », là. D'accord ? Quand c'est vraiment très improbable. Très improbable. Sorry. Si c'est une possibilité, genre si j'étais à Londres, je visiterais la National Gallery, if I was in London, parce que c'est tout à fait probable d'être à Londres. Voilà. So, Myriam, I would try to find drinkable water or some food. Okay. So, first thing that you would do. Okay. So, Myriam is about water or food. Good. What about the others? First thing you would do. Okay, the first thing I would do is search for water, look for water. Okay. Il faut la préposition for water, okay. Drinkable water, parce que si tu es sur une... If you are on a desert island, there would be water all around because you would be on an island. So drinkable water, not salted water. Okay. C'est pas mieux. Alors, find, c'est trouver. Look for, c'est chercher. Donc, j'essaierai de trouver de l'eau, j'essaierai de chercher de l'eau. Voilà la différence. D'abord, on cherche et puis ensuite, on trouve. Donc, peut-être que look for serait mieux. Voilà, Myriam, c'est pareil. Mais find ne m'a pas choqué. OK. What about you, Emily? What would be the first thing you'd do? And don't tell me that the first thing you would do is find a McDonald's or look for a McDonald's. Because there's nobody on the island but you. Okay. Oh, you would see if anyone is alive. Yes. Okay. Okay. But provided that... okay. Okay. You would see if anyone is alive. Okay. Or if anyone lives on the island. Maybe if there is but you on the island. Okay. I guess the first thing I would do is cry desperately for hours. I think I would just sit on the beach and cry and put my hands on my head and go, oh, no, 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 what am I going to do? What am I going to do? I'm all alone. I'm so scared. So probably I would first be desperate and I probably would cry. I would panic. Question number three, what would you or wouldn't you do if... No, in order to get some food. So let's see if you are, if you have a killing sort of character. What would you do or wouldn't you do to get some food? What would you be ready or prepared to do to eat? What would you do, or what would you be ready to do to get some food, or wouldn't you? Oh, you wouldn't kill any animals. No, you wouldn't kill any animals.
So my question is, how would you survive? How would you survive then? What about the others? Alors, Lali, I would fish or hunt, but I wouldn't eat berries or other plants. Good, okay. You would fish, you would hunt, okay. Okay. You would fish, good. But then, okay, so let's say that you have managed to catch a couple of fish, okay, so you have some fish to eat. You would learn. What would you learn, Miriam? Oh, sorry, I would learn to fish. And climb the trees, okay. Well, you would fish. In that case, you wouldn't learn how to fish. You would fish. Is it learn how to? I would learn how to. Okay, so imagine you have managed to catch some fish. Now, how would you cook them? How would you cook, or would you be ready to eat raw fish? Raw, the contrary is cooked. So there are two possibilities. For instance, a tartare is raw meat. A tartare is not cooked. So would you be ready to eat raw fish? You would make a fire. Yes, good, you would make a fire. Okay. And what about, let's say, how far would you be? How far would you be ready to go? Let's say that you don't have any fish. You haven't managed to catch any fish. Because you had to be really, really quick, you know, in killing them. And okay, it didn't work. So let's try something else. So you're looking for some food. No berries in the area, no fruits, no nothing. But let's say at some point when you walk and you try to get some water and maybe something to eat, there is a chicken. You see a chicken. Okay, alive, of course. And you know that chicken is good. What would you be ready to do with that poor little chicken? Tell me. So would you be ready to kill with your bare hands, Amanu, with your bare hands? Would you be ready to kill a chicken? You would die. You would starve to death, Emily. You wouldn't die. You wouldn't kill any animal. You wouldn't eat anything. You would die instead of killing the chicken to survive? Oh, wow, that's very noble. So you would prefer, you'd prefer that thing. Okay, why not? I think, yeah, you're not sure. What about the others? Let's see. So you see a chicken, you want to catch the chicken. Okay, chicken is caught. What do you do with the chicken? You can't talk to a chicken because it wouldn't answer. And it's maybe it's a bit stupid, I don't know. So what would you do with the chicken? Would you kill him? No, you wouldn't do anything to the chicken. Okay, so we've got one person who would sacrifice her life for a chicken.
Oh, I would see how the chicken can survive. Okay. Yeah. That probably would survive eating berries or stuff or worms, little worms. But I guess you couldn't, you can't eat little worms, can you? If it's a female, I would raise it for eggs. I mean, no, you can't do that. Okay. Good. So anyway, that's the what you would do. And number four, what would you do to be rescued? What would you do to be rescued? What would you do in order to be rescued? What would you do, or what could you do? What could you do? What things could you build, or what actions could you take in order to be rescued? I would make an SOS sign. Okay. I would make an SOS sign. Good. Okay. What about the others? What could you do? What would you do in order to be rescued? I would build a fire, okay, and write SOS on sand, okay. Alors, write, donc là c'est un, okay. I would send, Juliette, I would send a bottle. Okay, I would send a bottle with an SOS message in it. Okay, I could write on send SOS or help. Okay, good. Okay. Little question. SOS is an acronym. What do the initials stand for? What does SOS mean? Do you know what it means? SOS. Have you got any idea? Yes, good. What about the others? What about the others? But Emily, you're right. Yes, that's what it means. Save our souls. Save our souls. Sauver nos âmes. Soul, c'est l'âme. A, accent circonflexe, M-E. Donc, sauver nos âmes. Save our souls. S-O-S. Okay. Good. So, and personally, what would I do to get some food? What would I do to get some food? I would probably try to fish. I would probably try to fish to get some fish. And that's it basically, because I'm not sure the chicken part of it was just for fun. I'm not sure there would be any sort of other animals, or maybe rabbits. But then I can't see myself killing a rabbit with my bare hands, or even with a stone. Ugh, that's gore. Ugh. Okay, no, that would be too difficult. But I would certainly try to get to try to get some food, some fruits.
probably. And in order to be rescued, I would do the same, just like you. I would probably write on the sand an SOS message or make a big fire. But then we would have first to light a fire with two stones or whatever, with a stick of wood. Well, anyway. Okay, nobody has talked about the cell phone. You wouldn't miss your cell phone. You wouldn't miss your cell phone at all. Cell phone, téléphone portable. You wouldn't miss your phone. You wouldn't miss sending text messages on Instagram, on Snapchat or whatever. I guess you probably would. Yes. A little bit. No, Miley, you wouldn't miss the social networks. But that's good. That's good. Okay. Now let's say that, okay, you didn't. Okay, so the exercise is done. Let's say that you are saved, you are rescued. What would be the first thing you would do after, let's say, okay, imagine you have spent 5 months, 5 months on a desert island. What would you do first when you go back home, or when you go back home, what would you first? So imagine you've been rescued and now you're home. What would you do first? McDonald's again. Okay. Have a shower. Good. Spend time with my family. Okay. See your friends. Good. Juliette, do you want to say something? Well, you want to write something about what you would do? Cut your hair. Okay. First thing, cut your hair. Okay, that's good. Okay. Now, so nothing to do with the grammar special things we are dealing with right now. What did you do? Okay, we have stopped being in quarantine. Well, we are in almost being quarantined, but okay. What is the first thing you have done on Monday? Have you been shopping? Have you been to the hairdressers? Have you been to McDonald's? What is the first thing? You haven't done anything, nothing at all. Okay, nothing, okay. What about the others? Nothing. Okay, not yet. Not yet for the McDonald's. What about you, Lali? Nothing. Okay. Have we lost Noah? Noah, hello, Noah. Are you away? Have you dropped the lesson? Noah, no, you're not. Are you still there? So you haven't done anything special, not yet. Okay. Same with, oh yes, I went to school. I went to school on Tuesday. Because I had a meeting on Tuesday. Yes, on Tuesday afternoon, I had a meeting. Oh, and I went to the ER as well. That was Monday evening, Monday night. That's why I couldn't be on the chat on live on Tuesday morning.
Okay. Yes, I guess probably people haven't done nothing special so far. But, as far as I'm concerned, try to guess where I'm gonna go tomorrow. Where am I going to go tomorrow? Try to guess. First time in 3 months, well, 2 months and a half. Can you guess? A little guess for you. Where am I going to go? Nope, I'm not going shopping. Nope, something else. I'm not going shopping. No, I'm not going shopping because there's no point, I think, going shopping first. And then second, I've put a little bit of weight on, so maybe I should try to lose a few kilos and then go shopping. But shopping will be the last thing on my list. So I'm not going shopping tomorrow. Where am I going? Come on. See your family? No. Go out? Yes, I'm going out, but where? Can you guess? Where am I going out tomorrow? My family is with me. My son, my daughter, my husband are with me. So that's my rest of my family, my sister, my nieces, my nephews, etc. They are in Cantagnino. They are my family, but I'm not going to see them. Where am I going to go? Carrefour. Carrefour, no. I go every week to Carrefour. So even during the quarantine, I went to Carrefour. I just couldn't drive. I just couldn't get a drive time. So that no guess. No guessing? No? Exactly. I'm going to the hairdresser. Can you spell it properly, please, Irish girl? Oh, thank you. Hairdressers, yes, I'm going to have my hair done. Look at that. Oh, it doesn't look. Two colors. Can you see that? Can you imagine? I've got two colors of hair. It's not Le Coiffeur. It's not Le Coiffeur. I'm going to the hairdressers tomorrow. Exactly. Okay, so apart from that, alors, est-ce que vous aurez bien compris quand même? Alors, j'ai regardé, oui, coiffeur, bon, j'avais compris quand même, le coiffeur. T'avais raté une lettre, là. J'ai regardé un petit peu sur YouTube et j'ai vu que les troisièmes, en fait, donc vous puis les autres, hein, les troisièmes, six, troisièmes, sept, vous n'étiez pas des masses connectées, donc vous êtes combien? Allez, on va dire une quarantaine d'élèves. Oui, c'est ça, hein, je crois qu'en troisième, six. En troisième, ah, quoi que ça ne me faisait pas beaucoup de connexion. Alors, troisième 6, 25. Troisième 7, voilà, 47. Donc, vous êtes 47 troisième. Et sur les 47 troisièmes, les leçons que l'on fait en ce moment sur sur l'hypothèse, si je faisais ceci, il se passerait ça, enfin bref, sur l'hypothèse, quoi. Sur les replays, il n'y en a pas beaucoup. Alors, donc vous êtes là, c'est parfait. Donc vous n'avez même pas besoin de regarder de replay, sauf si vraiment ça vous fait plaisir de revivre le même instant. Moi, c'est plutôt ceux qui ne regardent pas le replay qui m'inquiètent. Donc, si vous êtes un peu pote avec des élèves qui veulent aller en seconde générale, faut pas qu'ils ratent ça. Hein. Donc, essayez de leur dire. Donc, tout le monde leur a dit. Moi, j'en ai marre de le redire, mais peut-être que si ça vient de vous en disant ah, oh, bah, quand même, tu devrais, en leur faisant la morale, hein, mais bon, peut-être leur passer un petit message en disant ben,
regarde au moins le replay, quoi. Ça peut te servir pour la seconde générale. Mais ça, pas que ça peut, c'est que ça servira pour la seconde générale. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. OK. Alors, il y avait d'autres choses aussi dont je voulais vous parler. C'était. Alors, attendez que je retrouve ma leçon. Bon, alors, pour la semaine prochaine, je vous donnerai principalement comment ça s'appelle? Bon, vous verrez bien. OK. Alors, je vous redonnerai des exercices après pour à moins que vous ayez votre livre. À chaque fois, j'oublie de vous dire de prendre le livre sous les yeux pour qu'on puisse essayer de faire quelques petites choses ensemble pendant qu'on fait le cours. Donc, mais bon, vous ne l'avez peut-être pas et puis ce n'est pas forcément très, 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 très facile non plus. Alors, donc, oui, pour la semaine prochaine, vous aurez d'autres exercices. J'aimerais que là, donc, on change un petit peu de choses. Je pense que ça, normalement, c'est compris. If plus prétérite entraîne le conditionnel. Ça, pour exprimer une hypothèse. Normalement, c'est bon. Donc, on va passer à autre chose. So, if you wish to write the date, Thursday, May 14th. Thursday, May 14th. That is Thursday, May the 14th. Et l'objectif, les quantifieurs. Allez, on va parler des quantifieurs. Un quantifieur, donc autrement dit, pour parler d'une quantité indéterminée. Sinon, on utiliserait 3, 4, 12, 2 kilos, 300 grammes et 3 tonnes. D'accord? Donc là, c'est pour parler de quantité indéterminée. Alors, ils sont un peu casse-pieds, les Anglais. Enfin, non, pas les Anglais. La langue anglaise est un petit peu casse-pieds dans le sens où il y a des quantifieurs selon la quantité. Et si c'est singulier ou pluriel. Donc, ce n'est pas très très compliqué à comprendre. Il faut juste bien suivre le fil de l'histoire et puis et après ça va vite. Vous les connaissez certainement. Maintenant, on va les classer. Donc, on va commencer. 31. Donc, 31. On va commencer par les dénombrables. Au pluriel, dénombrable. Alors, je vais mettre un accent sur le E. Vu que j'aime pas quand vous faites des fautes, bah, du coup, j'en fais pas non plus. Les dénombrables au pluriel. Alors, donc, les dénombrables au pluriel. Alors, est-ce que vous en connaissez? Autrement dit, je vais vous donner les traductions en français et puis vous essaierez de me trouver à quoi ça correspond en anglais. Alors, déjà, vous en connaissez un, c'est sûr, pour dire beaucoup de. Comment dit-on? Beaucoup de. Alors, on va commencer par celui que tout le monde connaît, beaucoup de. Il y en a deux. Il y en a deux pour dire beaucoup de. Par exemple, il y a beaucoup de roses sur le rosier. Je pense à ça parce que j'en viens sous les yeux. Il y a beaucoup de roses sur le rosier. Il y a beaucoup de gens dans la rue. Voilà, ça, il n'y a pas beaucoup de gens. Voilà. Comment diriez-vous ça? Beaucoup de avec un pluriel derrière. Alors, a lot of, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord, donc on y va. A lot of. Donc le premier. Allez, a lot of.
exemple, there are a lot of there are a lot of people without a mask on. There are a lot of people without a mask on. Alors, people, j'ai fait exprès, il n'y a pas de S. Rappelez-vous que c'est du pluriel. Donc maintenant, il faut l'intégrer. Ou alors, I haven't seen a lot of cars recently. J'ai pas vu beaucoup de voitures récemment. Ah non, normal, on était confinés. Bon, voilà. Donc, a lot of. OK. Alors, qu'est-ce que vous m'avez donné comme autre, qu'est-ce que vous m'avez donné? Donc, Lali, a lot of. Myriam. Alors, Myriam, première solution. A lot of. OK. A lot of. Non, je ne suis pas d'accord. Et Miley. OK. Alors, donc, le deuxième, synonyme. Donc, on marque synonyme. Synonyme. Many. Many, pas many of, pas many of. Exemple, 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 exemple. I have bought many candies for my children. I have bought many candies for my children. J'ai acheté beaucoup de bonbons pour mes enfants. Well, I have bought a lot of candies. D'accord? Donc, many, tout court, pas many of. Voilà, donc on en a déjà deux. A lot of et many, qui sont synonymes, et que l'on utilise pour compter avec des noms pluriels derrière. Donc, c'est bon, dénombrable au pluriel, pour dire beaucoup de. OK. Maintenant, pour dire le contraire, pour dire le contraire, c'est-à-dire pour dire quelques ou alors un peu de. Un peu de ou peu de. Maintenant, pour dire le contraire de beaucoup, c'est-à-dire pour dire quelques, un peu de. Oh, j'ai mis deux fois deux. Zut. Est-ce que je peux me corriger? Je ne peux pas. Bon, ben, vous corrigerez. Donc, j'ai vu quelques personnes avec un masque. J'ai vu peu de personnes avec un masque ou j'ai vu un peu de personnes avec un masque. Alors, on est bien d'accord que derrière, il nous faut un pluriel. Donc, a little, ça ne marche pas. No, no, no. Ah, ça y est, Myriam, elle a dégainé, Myriam. Few, few. Donc, a few. Ou alors, few. Exemple. I have seen few people with a mask. Oops. I have seen few people. J'ai vu peu de gens. I have seen a few people with a mask on. I have seen few people. Si maintenant vous dites I have seen a few people with a mask on. La deuxième avec a few, j'ai vu quelques personnes avec un masque. I have seen a few people with a mask on. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple? Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Qu'est-ce qu'on avait? I have bought a few candies. J'ai acheté un peu. Quelques bonbons. I have bought a few candies. J'ai acheté quelques bonbons. I have bought few candies. J'ai acheté peu de bonbons. Voilà, donc tout ça pour dire quelques, un peu de ou peu de.
Alors, ça me dit, votre connexion est instable, veuillez patienter pendant que nous essayons de la rétablir. Il y a des trucs qui se passent chez vous pour la connexion ou pas, les enfants? Enfin, les enfants, les ados? Non, ça va? Ok, bon, alors je ne sais pas pourquoi ça me mettait ça de YouTube. Ok. Donc ça, ce sont pour les choses que l'on peut compter. Donc on peut compter les gens, on peut compter les bonbons. Bon, bah, ok. On peut compter les gens, on peut compter les bonbons. Soit on les compte avec une grosse quantité, beaucoup d'eux, soit on les compte et il y a une petite quantité, quelques, peu de ou un peu de. Ça, il y a seulement deux opposés. Beaucoup, peu de. Donc ça ne fait pas beaucoup à. Voilà, c'est un petit peu de vocabulaire. Alors, maintenant, la deuxième partie. Vu qu'on a fait les dénombrables, maintenant on va faire ce que l'on ne peut pas compter. Donc, on va mettre petit 2, comme on avait mis petit 1, les dénombrables au pluriel. Donc maintenant, on va passer au petit 2. Les indénombrables. Allez, et ceux-là, ils sont au singulier. Ils seront toujours suivis d'un singulier. Donc, indénombrables. Hop, attendez 2 secondes que je mette l'accent au bon endroit. Voilà, au singulier. Je vais l'écrire en entier quand même. Indénombrables au singulier. Alors, du coup, comment diriez-vous beaucoup, mais avec quelque chose que l'on ne peut pas compter. Si vous voyez ce que je veux dire. Du genre, la dernière fois, vous ne m'avez pas cru quand je vous ai dit que j'avais 4 millions d'euros sur mon compte en banque. Eh bien, je vous le redis. Donc, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte en banque. Ce beaucoup-là, avec argent qui n'est jamais au pluriel, comment le diriez-vous? Donc là, on est d'accord qu'on ne peut pas dire « many », puisque « argent » est toujours au singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme mot, comme quantifieur, qui va aller avec un singulier? Ah, tu as un mot en trop, Émilie. Voilà. Alors, attention, « more » veut dire « plus ». Exactement, « much ». Tout à fait. Allez, on y va. I have much money on my bank account. I have much money on my bank account. J'en ai beaucoup. I have much money on my bank account. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre? Bon, je crois que celle-ci, elle est largement compréhensible c'est largement compréhensible comme exemple. Alors maintenant, on va prendre son contraire. Donc on va dire quoi? On va dire un peu de. Donc le contraire. Un peu de, mais toujours avec un indénombrable, d'accord? Je ne suis pas dans il y a peu de masques ou un peu de masques. Là, je serais dans j'ai peu d'argent sur mon compte en banque. Donc, comment diriez-vous ça? Alors, d'accord, mais il manque une petite préposition. Allez, ok. Alors, maintenant, je n'ai pas dit un petit peu, Lali, juste un peu. Alors. Allez, vous y êtes presque. Donc, c'est... A little.
I have a little money. I have a little money on my bank account. Oh, little, sorry, excuse me. Alors, il est où le petit machin qu'on fait d'habitude, la petite étoile pour montrer qu'il vient là. Ah, je ne sais pas où c'est. Allez là. Hop, oups, on ne voit pas ça du tout. Bon, c'est pas grave, j'ai fait une erreur, c'est ça. Hein. C'est comme ça, little. I have a little money. Si, Émilie, tu dis I have a bit of money on my bank account, c'est pas. Ça veut dire que tu en as un peu, mais c'est au-dessus que I have a little money. C'est un peu, mais un petit peu plus que l'autre. A little, ça sera un peu moins. Voilà, ça serait une, si on devait mettre des graduations. Donc, a bit et a little. Donc, a little. Exemple. I have. Oh, moi, je suis en train d'écrire en majuscule. I have a little. Ah ben j'avais déjà marqué celui-là. I have a little money in my bank account. I have a little milk. Oops, I have a little milk in my cup. Un peu de lait dans mon dans ma tasse. Would you like some milk? Yes, I have a little, please. Un petit peu. Well, I have a little bit of milk, but I have a little bit. Ouais, on peut aussi. Donc, voilà. Alors, donc, si on résume, dénombrable pluriel, pour dire beaucoup, il y en a deux. Vous les connaissez depuis la sixième, many, a lot of. Le contraire, peu, de, pour les dénombrables pluriels, a few. Maintenant, pour les indénombrables, donc tout ce qui est au singulier, pour dire beaucoup, much. Et le contraire, a little. Maintenant, si on veut insister, pour insister, c'est pas très compliqué. Pour accentuer, pour insister, pour dire j'ai tellement de ou j'ai tant de, donc tellement de, tant de, tellement de, tant de. Alors, I have so many friends. J'ai tellement d'amis. J'ai tant d'amis. I have so many friends. The. Donc, avec un pluriel, on va mettre so many. On va terminer la phrase. But I have and. And I have so much time to see them. And I have so much time to see them. Et j'ai tellement de temps pour les voir. Ben oui, maintenant qu'on est à moitié au travail, dedans, dehors, donc on a du temps pour voir ses amis. I have so many friends and I have so much... I en majuscule. Hein. I have so much time to see them. Donc, tant ou tellement, selon que le mot qui suit est singulier ou pluriel, dénombrable ou indénombrable, donc so many, et au singulier, so much. Voilà. So many, so much. Normalement, voilà. C'est super simple à comprendre. Donc, comprenez bien, on peut compter dénombrable. Donc, ça peut être au pluriel. On ne peut pas compter innombrable, toujours au singulier. Et vous les connaissez, voilà. Ceux que vous ne connaîtriez pas, ça serait quoi? Ça serait peut-être so many, so much. Voilà, pour dire tant ou tellement. Voilà, ça serait juste les deux petites difficultés qu'il pourrait y avoir.
Voilà les enfants. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le mardi matin, maintenant, je vais être au collège pour aider les petits sixièmes et cinquièmes dans leurs devoirs. Donc, ce qui fait que je ne pourrai plus vous voir le mardi matin. Alors, j'ai déplacé au mercredi. Voilà, tout bêtement. Donc, en fait, on se verra le mercredi et le jeudi à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se verra qu'une fois, mercredi, puisque ensuite, bah, c'est le pont de l'Ascension, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, la semaine prochaine, on ne se verra qu'une fois, que le mercredi. Donc, si je ne me suis pas trompée, maintenant, nous nous verrons le mercredi. Alors, j'ai vu avec vos différents professeurs, etc., etc., et le créneau du mercredi. Hop, le créneau du mercredi, ça sera. Alors, à quelle heure? Mercredi, mercredi. Alors, je me suis basée aussi par rapport à vos autres professeurs, parce que voilà, je ne suis pas toute seule, hein. Moi, c'est 11h. On va se voir tous les mercredis de 11h à midi. Voilà. En plus du jeudi à 14h. Ça ne change rien. On a quand même 2 heures par semaine. Mais le mercredi, ça sera maintenant le mercredi et plus le mardi. Donc le mercredi à 11h et le jeudi à 14h. Voilà. Donc je remettrai ça sur Pronote, bien sûr. Et étant donné que donc du mercredi au jeudi, vous n'aurez à chaque fois qu'un tout petit exercice, que vous ayez le temps de le faire l'après-midi. En revanche, du jeudi au mercredi, vous aurez presque une semaine. Donc là, je vais vous en donner un petit peu plus. Ce qui fait que pour mercredi prochain, ce qui fait que pour mercredi prochain, alors, je vais vous donner donc les exercices qu'il nous faut. Alors, il est où mon portrait chinois? Voilà, c'est ça. Je voudrais que vous me fassiez. Oh, qui est Nat Bulle? Nathan Bulle Vert? Is that you? Wow, I'm lucky to have you today. J'aimerais que vous me fassiez, donc pour mercredi prochain, un portrait chinois. Alors, c'est le 4. Page. Oh, ça va le faire. Le 4, page 63 du book. 4, page 63 du book. Alors, le portrait chinois, c'est comme en français, je vous avais dit la dernière fois. Si j'étais un parfum, je serais numéro 5 de Chanel parce que Marilyn Monroe en portait et c'était mon idole. Voilà quoi. Donc là, on vous demande si vous étiez bah, an animal, a place, a color. Il y en a que trois. Voilà. Il faut dire pourquoi. Donc si vous étiez un animal, un endroit ou une couleur. Donc, il faut faire trois phrases. Si j'étais un animal, je serais tel animal parce que, quand même, hein, il ne faut pas exagérer. Si j'étais un endroit, je serais tel endroit parce que. Si j'étais une couleur, je serais une telle couleur parce que. Donc, il me faut trois phrases. Donc, ça, vous me rendrez ça à rendre. Oh, décidément, je fais beaucoup de fautes aujourd'hui. À rendre, obligatoirement. Donc, vous mettez. Vous m'envoyez ça par mail. C'est, voilà. Ensuite, donc, il ne va pas y avoir que ça, on est bien d'accord, parce que sinon, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Alors, je vous ai trouvé des exercices. Alors, attendez que je les retrouve. Je vous ai trouvé des exercices. Bon, je compte sur vous pour réviser aussi de temps en temps vos verbes irréguliers, hein. Pas exagérer non plus. Voilà. Donc. Allez, c'est 29, 29, 30, 31 pages, 120
page. On va. Le book. 29, 30, 31, page 120 du book. Ça, c'est pas à rendre. Vous le faites, on corrigera ensemble. C'est sur les quantifieurs. Voilà, tout bêtement. Voilà, voilà ce que je vous donne. On a fait tout ce qu'on devait faire. Voilà. Donc, c'est très facile d'avoir un verre plus pour le 4 page 63. Ne vous trompez pas dans la construction de la phrase. Et la raison pour laquelle vous choisissez cet animal, cet endroit ou cette couleur, donnez-moi une raison valable et donnez-moi une raison niveau 3e, s'il vous plaît. Hein, pas si j'étais une couleur, je serais le bleu parce que c'est beau. Non, ça, ce n'est pas du niveau 3e. D'accord ? Si j'étais une couleur, je serais le bleu parce que le bleu est synonyme de ciel bleu. Enfin, bon, je ne sais pas, vous trouvez quelque chose. Voilà. Je ne suis pas gentille hein, de vous dire ça. OK. Voilà, voilà. OK. Any questions ? Est-ce que vous avez des questions, quelque chose ? Non ? Tout va bien ? Sûr. Okay, so in the meantime, thank you very much. Okay, c'est parfait. Thank you very much for this lesson, for your time. And don't forget, wash your hands 30 seconds. Don't forget to wash your hands. Don't forget to sneeze or cough in your elbow. Don't forget to keep your social distance. Be good. Soyez sage. Be good. Take care. And bye-bye. See you next Wednesday, 11 o'clock. Bye-bye.